Bonsoir, on ouvre ce journal avec cette macabre découverte. Les corps sans vie d'un homme et de son épouse ont été retrouvés à leur domicile de Sainte-Maure-de-Touraine dimanche 12 février. Mais on l'a appris qu'aujourd'hui, il s'agirait d'une séparation qui aurait mal tourné. L'homme aurait tué sa femme qui voulait le quitter avant de retourner l'arme à feu contre lui. Une thèse privilégiée par les conclusions de l'autopsie. Dans la commune, c'est le choc. Je vous propose d'écouter Christian Barillet, le maire de la commune, qui était aussi l'employeur de la femme du couple. Cette dame m'avait fait part de ses difficultés. Et donc, on sentait bien qu'elle se sentait menacée. Quoi. Mais pas à cette issue-là. Elle avait demandé à prendre des congés, à s'éloigner donc en accord avec sa famille. Donc, tout semblait réglé. Quoi. C'est pour ça que on a du mal à comprendre. Quoi.